pas chier. Tu fermes les yeux et tu me suis sans rien dire. Sinon, je te pète. Et voilà. C'est quoi ce plan là? Eh ben c'est pas un plan. C'est chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, j'ai vu que t'avais fait une demande auprès du service logement, alors comme il me devait des petits services, j'ai fait mettre ton dossier en haut de la pile. Comme ça, on peut se voir tranquille. Ouais. Sans se prendre la tête. Ouais, très bien. T'es en plein centre. À deux pas du boulot. Et de moi. Merde. Attends. Mais quoi? 30 secondes. Attends. Allô? Ouais, Elias. Non, tu me déranges. Enfin, si, oui, un peu. Dis-moi. Non, je suis pas chez Laura, je suis chez moi, là. Quoi? Non, par un plan, je t'expliquerai. Quoi? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes, là? Ah non, Lise, tu peux pas venir ici, hein. Bon, écoute, il est occupé, t'as compris? Alors tu le rappelles plus tard, merde! Mais t'es en fait complètement malade, c'est un collègue du boulot! Eh ben, oui, boulot. T'es en RTT. Arrive! Oui, ça va, oui, bro! T'es sûr, on te dérange pas? De toute façon, c'est juste pour Denis, hein, le temps que je fasse un peu de place chez moi. Mais y a pas de souci. Vas-y, on te refait comme chez toi. Voilà, si tu veux prendre une douche, c'est par là. Moi, je vais directement dormir parce que je suis complètement naze. Attends, mais t'as qu'un lit? Tu me fais chier, Yes. Hein, je te le dis. Si t'étais un peu moins flic, il y aurait plein de choses que t'aurais compris depuis bien longtemps. Hein? Genre quoi? Genre que... Je te sauterai jamais dessus parce que t'as pas assez de bras. Moi j'ai pas assez de bras moi. Attends, moi si je me mets à la muscu, je vais péter le costard moi. Et que je sauterai jamais sur un moi parce que elle a trop de poitrine. T'aimes pas? Qu'elle a pas assez de barbe? Césine. Mais laisse tomber. C'est quoi? Pas de soucis. Ok. Bon. Bonne soirée. À toi aussi.